Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses, on a envie qu'elles continuent non-stop et tout. Moi, pour ce dernier épisode, je suis un peu triste. Je suis un peu triste dans le sens où je prenais énormément de plaisir à faire cette série, c'est mon premier let's play de ma vie. Et là, on arrive à la fin. Mais à un moment, un super-héros doit accomplir sa tâche jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, eh ben, y a pas de suite, t'as capté? Allez, let's go. Wow! Vous pensez que j'allais oublier le générique, hein? Allez, c'est parti pour la dernière. C'est parti. Let's go. C'est l'étoile de Miles Morales, hein? En carré c'est Miles, mais en français c'est 1000. Venant pour te laver, personne qui met deux. Besoin d'aide pour sauver la ville. Car la bande de bâtards, on est que deux. Pas de morale, je connais par cœur les techniques de Morales. Je te tape tes Morales. Sauver la ville, c'est pas un game. Je tisse ma toile, t'as Mary Jane. Peter devient noir comme MJ. Pas de drill, poteau, pas de jersey. Surveille, petit, n'aie pas trop peur. Sur mon territoire, New York ou New Jersey. Tombe haut, y'a full up de pentraide. Morales par cœur, y'a full up d'entrée. All black, Peter, ça le tente, mais je fais ça en l'honneur de tente, mais Spider-Man, let's go. Connors? Allô? Il est là, dans mon labo. Faut que j'appelle Pete et que je rapplique. Pete! Pete, on y va, on y va, on y va. Le docteur Connors a appelé. On dirait qu'Harry est à son labo. Retrouve-moi là-bas. Ça se présente pas bien. J'arrive. Allez, arrive vite. Il doit y avoir un raccourci vers le labo de Connors près de Central Park. Ça doit être dur pour Pete de voir Harry dans cet état-là. On y va, on y va, on y va. On peut l'aider, on peut l'aider. Je m'en occupe. Partez d'ici. Ah, je reviendrai plus tard. Vite. Il va y avoir un raccourci vers le labo de Connors près de Central Park. Ça doit être dur pour Pete de voir Harry dans cet état-là. Mais on peut l'aider. Si on arrive à l'attraper. Il radote un peu, non? Ou c'est moi? Qu'est-ce que j'aime les balancements. Ça va vraiment me manquer, hein, purée. Après, je pense que je vais jouer quand même, faire les missions secondaires et tout, mais je sais pas si je vais faire en vidéo, quoi. Ok, je sais... Ouais, vraiment, j'ai pas été spoil, donc je suis vraiment content. Passage à Peter en cours. Norman, qu'est-ce que vous fabriquez? Wesh, il vise trop bien. Pitié. Rendez-moi mon fils. Nous sommes ton fils. Nous sommes en bonne santé. Fort. C'est bien ce que tu voulais. N'est-ce pas? Arrête, Harry! On peut t'aider! Là, son père, il a la côte cassée. Ne me faites pas jurer, s'il vous plaît. C'est le reste. Non, s'il vous plaît. Quoi ce bordel là? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça?
devez le savoir. Je dois vous le dire. Harry n'est plus là. L'autre et le symbiote ont entièrement fusionné. Je trouverai un moyen de le sauver. C'est impossible. Mais vous pouvez encore arrêter le symbiote. Comment ? En tuant son hôte. Je dois tuer Harry. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. Spider-Man Web of Shadow. Wesh! Oh la dinguerie! Ok, c'est quoi le plan là ? Oh non ! Spider-Man, vous voyez la même chose que moi, j'imagine. De nombreux habitants de New York se font attaquer par ces choses. Je m'en occupe. Faites attention à vous. Il lui manquait plus que cette météorite. Ok. Non, il peut guérir le monde. C'est pas ce qu'on avait en tête. Je floppe mon saut. Trop bien. C'est quoi là? Ah ouais, il y a des trucs partout. Tu peux plus te balader librement. Ah ouais, je peux même plus monter sur les murs et tout. Wesh. Qui touche à mes habitants? Il y a des gens coincés dans cette boutique. Oh là là, oh là là, oh là là, allez. Waouh. Allez, viens toi. C'est quoi ce bordel? Dégage-toi. C'est bon. En tout cas, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ouais. Tu m'as sauvé. Wow, wow, wow. Ces gens sont en danger. Bougez pas. Wesh. Mais c'est quoi ce bordel? Je peux tisser ma toile ici. Méchant. Et là? Les passagers de ce bus ne tiendront plus très longtemps. Hein, les affreux! Prenez-vous-en plutôt à moi! Interdit de marcher. Allez, allez. Non mais j'ai jamais vu. Je pensais pas à New York, ça allait être la merde comme ça. Ils ont vraiment fait les choses en grand là. Allez, sortez. Allez, rentrez chez vous. Cette zone est dangereuse. Si vous n'avez nulle part où aller, le Fist vous accueillera. C'est peut-être pas si nul que ça, finalement. Merci. Miles, il faut qu'on parle. Tu m'étonnes. Il y a des nids qui surgissent un peu partout. Oh là là. Je t'envoie les coordonnées. Bien reçu. Fais gaffe à toi, surtout. Oh la merde, tout ça. C'est du délire. Harry. Je te retrouverai, mon pote. Quel pote? C'est plus mon pote, moi. Quelque moi, c'est plus pas. Mon pote, hein. Wesh! Hardcore!
Bah... Ta tenue, c'est pas un extraterrestre? Il est temps que Miles Morales ait son propre style. Quelque chose d'unique. Ça rend bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en pensez quoi, cette nuit-là? Harry a pris la météorite. J'ai pas pu l'arrêter. Connors dit qu'on peut pas le sauver. Qu'il faut qu'on... Je veux pas le perdre, Miles. Je peux pas revivre ça. J'ai vu May quand j'étais... dans ta tête. C'est pas ta faute, Pete. Elle voulait te sauver. Sauver tout le monde. Elle pensait qu'aux autres. Même quand elle était à bout de souffle. Si May... mon père... s'ils étaient là, ils voudraient qu'on arrête de penser à eux. Ils voudraient qu'on aide les autres. Qu'on se batte. Qu'on tue Harry. Harry peut être sauvé. Et on va se battre pour le récupérer. À vos ordres, coach. Alors, faut qu'on se sépare. Ouais. Pour couvrir plus de terrain. Tu trouves la météorite, et moi je nettoie les nids. Entendu, Spider-Man. Voilà, Miles porte cojones. Allez, Miles. On ferait mieux de s'y mettre. Je dois le dégager et passer au suivant. Oh là là. Ça y est, le décompte est lancé. Je rêve ou ça t'a fait peur? Ouh. On dirait que j'ai mis le doigt sur un truc pour que tu sois autant sur la défensive. Bon. Vraiment que je protège le truc en fait. Plus que 10 secondes. Il faut que ça marche. Wish. Miles, on a besoin de toi. Il est toujours là. S'il te plaît. Je rêve où cette chose me parle. Viens avec nous. Les gens se transforment en symbiote. Tu ne crains rien. Tous ceux que tu aimes sont à l'abri ici. Ma tête! Il faut que je trouve une sortie. Pourquoi tu t'en irais? On est ici. Tu peux rester toi aussi. Toi. Peter. Nous. Cet endroit est pas fait pour moi, Harry! Pour toi non plus! Allez, Miles! Allez! Laisse-nous de vous, là. Te guérir. Livre-nous, Peter. Hayley?
joignez-nous. Oh là là. Ellie est en danger. Pete, j'ai vu la météorite. Elle est sous la station de métro de Harlem, à côté du pont. Oh la galère. Ouais, je suis en route. Attends-moi, par contre. Harry, il en a après toi. Je dois aller aider Ellie. Mais attends, d'accord? Oh, wow, une minute. Raconte-moi. J'ai été aspiré dans l'esprit de ruche. J'ai une vision de la météorite, sous terre. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu crois qu'Harry est là-bas? Je plaisante pas, Pete. J'en ai seulement pour 10 minutes. T'y arriveras pas tout seul. Bon, appelle-moi quand t'es prêt. Désolé, Miles, mais j'ai pas de temps à perdre. Voilà l'entrée du métro. Miles doit avoir raison. C'est là qu'est la météorite. Faut juste que je libère ce pont. Restez tous dans vos voitures. Je vais m'occuper d'eux. Je vais m'occuper d'eux, Harry, vous inquiétez pas. Venom! Je sais que t'es là! Tu nous as trouvés. Ouais! J'arrive, mon pote! Allez-vous. Je sais! Je sais! Tiens bon, j'arrive! Je suis à fond dedans là, les frères. Vraiment, l'histoire elle est incroyable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après. Bon, forcément, c'est pas le genre de jeu avec les histoires incroyables et tout, mais. Genre, moi, je prends du plaisir là. Mais c'est sûr que oui, il y a mieux comme histoire, mais c'est déjà vraiment pas mal pour un jeu comme Spider-Man. J'aime bien Venom, ça fait très dark. Allez, sors-toi! Elle est où la station de métro là? Elle est là-bas. Et allez! Ils sortent du tunnel du métro! La météorite est forcément sous terre! Venom! S'il te plaît, parle-moi! Il faut que je descende sous terre! Mais je peux pas abandonner ces gens! Méchant ça! Let's go. Bon, on va pouvoir descendre enfin. Wesh, wesh. De brut. Pas maintenant. J'ai pas le temps pour ça. Peut-être que... Non. Allez, Spider-Man, tu es prêt. Harry, tu m'entends? Je te retrouverai, mon pote. J'arrive. Boum. Quoi, je peux pas aller? Ah voilà. Eh, hey, Ellie, elle est hors de danger? Pas encore. Mais je dois te faire attendre encore un peu. Bouge pas. Ellie! Non! Ici. Ah, elle sait que c'est Spider-Man, c'est trop mignon, wesh. Mais je voulais, enfin, je croyais que tu...
t'es incroyable. Je t'aime vraiment beaucoup, et je crois que tu m'apprécies. Et ça te dirait qu'on sorte ensemble? Genre, un rencard? Ça veut dire oui. Elle fait des blagues et tout. Ok. Alors c'est noté. Mais seulement quand tout ça sera enfin terminé. C'est intéressant la langue ici. Ça c'est dire terminé. Là après elle a fait... Ça c'est rencard. Je vais faire ça à ma copine après. Pete. Il est entré dedans. Il a pas écouté. Harry! Salut, c'est Harry. Laissez un message. Salut mon pote. J'ai parlé au docteur Connors et... Il dit qu'on peut plus te sauver. Mais je sais que c'est faux. Harry. J'ai merdé. J'ai été le pire des amis. Ton rêve. Notre rêve. Guérir le monde. Je suis désolé. Peter, tu es là. Je oh mon là. Dieu. Es-tu enfin prêt? Harry, je peux pas. Je veux juste t'aider, Harry! Non! Spider-Man! Léo! Il est descendu! T'avais raison! C'est sûrement ici! Il doit! Désolé, je pouvais pas! Ouais, t'inquiète. Je vais trouver un moyen d'entrer. Tout va bien se passer! Tout le monde va s'en sortir! C'est quoi cette scène de fou là? Peter en mode furie. Oui. Il faut que j'atteigne cette météorite. Je suis si prêt. Mais y'en a fou là. Oui. Wesh. Peter Prime. Ah oui, oui. Peter. Harry. Harry, parle-moi. Peter, aide-nous, je t'en prie. On a besoin de toi. Je l'aurais grave pas aidé. J'essaie, mon pote. J'ai juste besoin de cette météorite, je d'accord. Je pense que je serai appelé à Iron Man et je dis Iron Man, aide-moi, pitié. Miles, je vois pas de cailloux. Ah bon? Attends, je suis pas loin de toi. Merci d'être venu, Pete. Nous voulons te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu... Nous sommes guéris. Enfin libres. Faire ce don à tout le monde. Mais nous avons besoin de toi, Pete. Pour guérir le monde. Ensemble. Hé, mec ! Pas cool.
Grotesque. Il faut pas rester là. Ça va, mec? Il faut qu'on appelle MJ. Je sais où est la météorite. Oh putain, c'est la merde. MJ, faut qu'on se rejoigne tous chez May. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le symbiote est arrivé ici dans une météorite. Et il s'en sert pour transformer la ville. Je sais où elle se trouve. Et on va la voler. Faut trouver une stratégie. Ça marche. À tout de suite. Il a pas peur que Sarah Clay se déplace toute seule dans New York, lui, là? Cet escroc. Non, j'aurais pas pensé que ce soit autant la merde comme ça partout. Je me demande si c'est vraiment que New York ou si même Brooklyn et tout, c'est la merde comme ça. Là, c'est un truc de fou en vrai. C'est vos dernières chances de collecter des ressources et de procéder à des inventions avant conclusion de l'histoire. Alors, dernière mission. Là, c'est le réservoir de Central Park. Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. Qui ajoute toujours plus de monde à l'esprit de ruche. Si tous ces symbiotes sortent de Manhattan. Adieu la Terre. Bonjour planète bleue. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non? Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Harry la répare. Ouais. Et c'est l'accélérateur de particules qui l'avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance, si on la poussait au maximum... On pourrait la détruire et libérer tous les gens connectés à l'esprit de ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer mon propos. Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait... Son meilleur ami doit être là. Parce que son esprit à Harry, je il est toujours... Je peux distraire Harry, l'éloigner de la météorite. Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Oh là là, alors le que boulot. Moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut des choses? Ouais, en théorie. Pete, par rapport à ce qu'a dit Connors sur l'état d'Harry, s'il est trop tard, est-ce que t'es prêt? Ça n'arrivera pas, ok? Bah si, faut être prêt, frère. Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Pour de bon, cette fois. J'espère que je vais pas jouer Mary Jane. Mieux avec. Oh non, purée. Non. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent? Écoutez, je sais pas comment vous remercier pour tout ça. T'inquiète, Pete. On est la Spider Team. C'est bien de le rappeler. Là, je sais que je vais jouer Mary Jane, ça m'énerve. Salut mon pote. Tu
Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou ? Y'a que nous deux, Harry ! C'est ce qu'on a toujours voulu ! Mais il y a une condition. Faudra que tu m'attrapes d'abord. Oh mon Dieu, je joue direct Mary Jane. Oh non. YouTube, pardon, je vais tout cut. Je vous jure, je vais tout cut. MC, vas-y! Ah, si je peux les tuer d'un coup comme ça, méchant. Vraiment nul. C'est quoi ce truc? Au secours! J'arrive! Tenez bon! Comme je joue à Call of. Oh non, t'es dans le jeu à Call of Duty. Pitié. Mary Jane. La météorite a l'air connectée au reste de la ruche. Ok, j'ai capté. Pitié. Détends-toi, c'est juste un caillou qui pourrait détruire le monde. Voilà. Ça va faire flipper. Ces créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. J'aime pas les trucs comme ça. Bon, vu que ça mène à un endroit sympa.
J'aime pas les trucs comme ça où ça me course et tout. Le ciel. Oh, presque sorti de cet enfer. Ma sortie semble être derrière cet hélico. Concentre-toi, Totoche. Cette échelle là. Allez. Ici. Dites-moi que c'est une blague. Je peux pas monter à l'échelle avec cette chose qui me poursuit. Il faut que je monte le volume. Vous savez que je suis finito là? Parce que je devais garder les barils là. Allez, pitié, allez, barre-toi, pitié, barre-toi. Il est temps de se tirer de là. Oui, barre-toi. Pitié. On s'en va, Max. Invité à la fête des anciens du lycée, Harry. Harry. Oh, comme par hasard. Je vais devoir me battre contre Venom. Je vais l'éteindre. C'est ici que nous sommes devenus des amis proches. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères. Tout ça. Rejoins-nous. Allez, souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. Vraiment là, le combat de boss, je suis déçu. Nous étions faibles à l'époque. Comme par hasard, il y a un truc de haut-parleur et tout, pitié. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pas que je reste au sol. Allez. Tu dormais chez nous quand ta mère est tombée malade. Nous ne voulions pas la voir comme ça. Quand tu l'as perdue, ce jour où on était au stade, j'étais là. J'ai toujours été là. Jusqu'à ce que nous retombions malades. Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survivre. J'essayais de te sauver. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. Et finis-le là. Voilà. Je
Voilà. Il n'y a pas de nous. Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Tu me laisses pas vraiment le choix. Des symbiotes se tapent plein cruste. Ça marche pas. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Déjà, eux, ils sont trop relous, j'arrive pas à les tuer. Je peux libérer Harry avec plus d'antivenom. Tiens, mange ça. C'est pas fini, poteau. Tiens, cadeau. Nous savons ce qui est bon pour toi, pour tout le monde. Nous avons tiens. Tout ce dont tu oh non. Toi, tu nous as rejetés. J'aurais dû faire plus d'efforts. Excuse-moi. Remplacé par Miles. Il a encore plus envenimé les choses entre nous. Non! Il m'a sauvé! Tout comme je vais te sauver! Mais là, il a fait le bordel dans la ville. Il y a des trucs qui sont même plus à leur place. Et l'aspect. Tiens, tiens, tiens. Tiens, cadeau. Quoi ce bordel? Je crois que ces alliés n'ont pas aimé qu'on prenne leur truc. Ouais bah, tant pis pour eux. Ok. Oh là
là. Allez, Miles. Miles, il va devoir carry, hein. Vas-y, Miles, je reste avec lui. Allez. Vas-y, Miles. Au charbon. Ouais. Mais depuis quand il a des ailes? On ne laissera jamais ce caillou. Notre avenir ne t'appartient pas. Crois-moi, j'en veux pas de ton avenir. Vas-y, allez. Il peut pas être Spider-Man noir, il est déjà Spider-Man noir. Voilà, Miles. Miles le good. Le goût, c'est Miles. Voilà le goût. Allez, le goût. Montre-lui qui est qui, le goût. Non, tu fais pas ça pour Pete. Tu fais ça pour toi-même. Arrête, Pete. Yes. T'es privé de lui? Qu'est-ce que tu racontes encore? Oh là là, les speaks, je suis en train de les faire. Nous n'avons pas. Harry! Non, c'est le sang-bleu qui parle! Pas toi! Voilà, Chang-Pi. C'est pour ça que tu nous as repoussé. Alors oui, peut-être. Mais Pete n'était pas Pete. Croyez lui avoir coupé les ailes. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Pas vrai? C'est pas une compétition. C'est juste que je te préfère sans ton alien enragé, c'est tout. On doit lui envoyer d'autres décharges bleues. Que tu m'aimes bien ou pas, je suis là pour t'aider. Finissons-en. Voilà, allez, Miles, allez, Miles. Ah,
t'avons donné une chance. Allez! Harry! Pete? Maintenant, rends-moi mon ami! Nous sommes ton ami. Vite! Qu'est-ce qui se passe? Accroche-toi, mon pote! Non! Pitié! Laissez-le temps! Comment ça, laissez-le tranquille? Vas-y, Max! Wesh! Ok, la scène de sauce. Vous êtes prêts à en finir? Prêt. Oh là là, ça c'est du méchant ça. On va guérir le monde, Pete. Ensemble. Maintenant, vite!
ça. Maintenant! Perdu! Vraiment bravo. Vraiment bravo. Bon, ça c'est un peu féerique, mais... Ah, j'avais mon sac à dos carrément. Bravo de ne pas avoir fait parler Harry à la fin. Peter, sache que tu as toujours été mon ami. Oh la flemme. Oh la flemme. Ça c'est de la bonne mort. C'est des morts qu'on aime. Des morts simples. L'humeur, c'est tout. On a réussi. Je suis désolé. Faites-moi de la place. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. J'allais dire, Peter, il a beaucoup souffert. Il arrive. Mais s'il arrive à le... Bon, c'est mignon. On est à l'hôpital. C'est mignon. J'allais dire, Peter, il a trop souffert, frère. Il perd sa tante, son meilleur pote. Tu sentais, il souffrait trop. Mais là, c'est bizarre que... Wesh. Bon, c'est mignon. Son pouls est faible. Faut pas traîner. Qu'avez-vous fait? Que lui avez-vous fait? Je suis désolé. Je viens avec vous, attendez-moi. Malgré les signes d'activité cérébrale, ses chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie.
C'est drôle qu'il fasse des petites références vertes à chaque fois à lui là. Théorie. Tu vois l'antidote qu'il a mis au point pour sauver Harry? C'est l'antidote du bouffon vert. Et il va le mettre sur lui, Norman. Et du coup, il Pourquoi va. Pourquoi? Allez, préparez le sérum G. Vous allez voir. Au plus vite. Mais il faut le tester. Testez-le sur moi. Et Harry va devenir le bouffon vert. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, la criminalité. Le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, le stress. Nous n'avons jamais perdu espoir. Never lose hope. La ville va devoir guérir. They're gonna heal. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Back to normal. Mais c'est quoi, la norme? Norman Osborn. Est-ce que ça existe encore? Apparemment. Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformé. Mais qu'en est-il de vous? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson et vous écoutez La Nouvelle Réalité. Ah ouais, comme ça, il publie direct. Wow. Épisode 1, fini. Cool. J'en sais rien. Oui, je peux en prendre. Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Je vais t'en prendre. Merci encore pour la donation, Peter. Il va lui montrer quoi? Est-ce que t'as parlé à Miles de ça? Pas encore. T'es prêt? Miles... Ça fait un moment que je voulais te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux, toi et moi. Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je t'ai encore jamais... parler de ce dont je voudrais te parler, et franchement, c'est important. Pete. Attends, j'ai pas fini. C'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker.
T'es sûr? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'as pas besoin de conseils. T'en as pas besoin. Oh non, il a pas besoin de conseils. J'ai une grosse théorie sur Miles Morales. Une très très grosse théorie. Mais... un jour, qui sait. Je serai toujours là. T'inquiète. Mais il va pas raccrocher, t'as des pouvoirs. Mon pote. Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités, hein. Tu peux pas démissionner comme ça. A plus. Allez Miles, le nouveau Spider-Man officiel. Si t'as moins de 16 ans et tu regardes ce bisou, t'es un voyou, un délinquant, un sauvage. C'est moins de 18 ans. Pitié, c'est fini, il se passe quoi? Bon. Le jeu est fini! Voilà. Le générique est stylé, waouh! Bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vivre cette aventure avec vous. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Moi j'ai beaucoup kiffé. Le meilleur des Spider-Man hein, de loin. Franchement, des bonnes sensations. Quand Peter il a eu le symbiote et tout, le pouvoir qu'on ressent. Ensuite il a eu l'anti-venom, j'ai kiffé aussi. Non franchement, très très bon jeu. Content d'avoir vécu ça avec vous les amis. J'espère que vous avez kiffé aussi. Et puis... j'ai une très grosse théorie sur Miles Morales et pour une fois, je vais dire ma théorie. Miles Morales est le MVP de ce jeu. C'est le MVP, c'est le meilleur joueur. C'est le GOAT. Voilà ma théorie. Oh, c'est beau. Carrément, je suis obligé de laisser, frère. Il y a mon Uber Eats, il attend dans le salon. Méchant. Ça fait un peu délire Marvel Avengers. Ah. J'entame de jeux vidéo de super-héros. Spider-Man, c'est bien haut. Après, il y a Batman Arkham aussi. Qui sont vraiment pas mal. T'imagines un Batman là qui sort là. Ouais. Ma théorie se confirme. Qu'est-ce que tu veux ? Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont. Pas vrai? Pourquoi? Ils ont détruit mon fils. Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman. Tu écris quoi? Le dernier chapitre. Ok, donc il y aura un Spider-Man 3, je pense, sûr et certain. Et le méchant principal sera le bouffon vert. Mais, je trouve que c'est pas assez. Genre, la haine de Norman Osborn, elle est pas assez profonde envers Spider-Man pour que... Wesh, il y a même pas 2 heures, il lui a dit, ouais, sauvez mon fils. Et là, juste, ils l'ont un peu sauvé, mais... Il est mal en point, quoi. Bref,
La famille, mettez un like, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire là, le let's play que vous voulez sur la chaîne. Tout le monde me dit des 3 Become Humans. J'attends de voir si vous avez d'autres jeux. Sachez que j'ai joué à beaucoup de jeux quand même. Ghost of Tsushima, tout ça, j'ai fait. Mais n'hésitez pas à mettre le gameplay que vous voulez voir sur la chaîne. Et puis, je ferai en sorte que ça apparaisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, abonnez-vous. Et puis, à la prochaine. Bye bye. C'est pas fini. Ellie, bonjour. J'espère que tu as faim. C'est presque prêt. Et si tu montrais ton essai à Ellie ? Il y a mis tout son petit cœur. Ok. D'un gamin de Harlem. On le voit souvent faire du volontariat dans la ville. Aider sa mère conseillère municipale. Essayer d'être digne de son père. Ouais. Oh, ils font un double date. Salut. Ellie, Miles. Eh bien, voici Albert. Oh, double date avec son fils. Je suis ravi de vous connaître. Oh, voici ma fille, Cindy. Cindy ? En carré c'est Miles, mais en français c'est 1000. Venant pour te laver, personne qui m'aide. Besoin d'aide pour sauver la ville. Car la bande de bâtards, on est que deux. Pas de morale, je connais par cœur les techniques de Morales. Je te tape tes morales. Sauver la ville, c'est pas un game. Je tisse ma toile, ta Mary Jane. Peter devient noir comme MJ. Pas de drill, poteau, pas de jersey. Surveille, petit n'est pas trop peur. Sur mon territoire, New York ou New Jersey. Tombe haut, y'a flop de pantraide. Morales par cœur, y'a flop d'entraide. All Black, Peter, ça le tente, mais je fais ça en l'honneur de tente, mais Spider-Man! Spider! Spider-Man! Spider! Spider-Man! Spider!